Je réponds en termes direct et puis je lance. À tout ce que j'ai mis le matin, à 7h30. Si ça veut, je continue avec les fils en boîte, en discothèque. Chaque jour qui passe, sa vie est de plus en plus. Comment on appelle encore le petit gars? Il chante bien. On appelle encore. On appelle encore le petit là. Mon grand frère. Pardon. On appelle encore le petit là. Le cours. Mais mon grand frère, maman, c'est chaud, hein? Pardon. C'est chaud, hein? Aïe, affaire est sérieuse, hein? C'est chaud, hein? Très chaud. Ça tire à balle réelle, hein? Hey! Parce que mon grand frère m'a tiré les oreilles, là. De toute façon, dont mon grand frère a tiré mes oreilles. Pardon. Et demain matin, c'est le... Il ne s'est pas prêt, mais il m'a dit, mon frère, tu vas lancer le direct. Même si nous sommes deux, on va parler, c'est vendredi. De toute façon, mon grand frère a tiré sur moi, là. Que petite sœur! C'est grave, hein? Ah! Ça tire à balle réelle. Ah, mamia! C'est chaud, hein? Au niveau, là, il est fort, hein? Mon grand frère tire à balle réelle. Pardon? Je vais aller voir si... Mon grand frère tire à balle réelle. Coco en direct, elle parle de l'autre. Moi, elle avait parlé ici, là, de. C'est vendredi, moi, elle avait parlé de l'autre. C'était le même sujet, je ne parlais pas. Hi! Ça sert à tuer sur Facebook. Hey, mon grand frère est fâché, hein? Mais, Djangui de ça. Je vous dis que... J'ai coupé mon direct. J'ai coupé mon direct. Je vous dis que... Ça tire à balles réelles. Ah! Je suis allée sur le lit de mon grand frère. J'ai seulement vu là-bas qui m'a identifié, qui rêve bien, ma petite, s'arrête-moi ça très vite. Il dit que j'ai encore fait quoi? Maman? Non, grand frère, je n'ai pas mal parlé de toi là, mon direct. Au contraire, il dit que tu es mon grand frère. Qu'à l'heure là, tu es mon grand frère. Tu m'as vu me laver à la pluie, là, sous la pluie, à Kribi, avec le gros caleçon. Moi, je n'ai pas mal parlé de toi. J'ai la bouche, mais toi là, t'insister, c'est un problème, hein. Est-ce que j'aime parler de toi, mon grand? Tu tires à balle réelle. Maman, moi, je veux seulement lire ce que tu écris ici, là. Parce que, mince. Bonjour. Maman, voilà mon nom là-bas, un gros cratère sur son mur, maman. Hey, 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 la fille de bien, j'ai encore fait quoi? Je vous fais, on va lire. On va seulement lire. On va lire ensemble. Moi, je ne peux pas hésiter, mon grand frère, mon frère. Je compte sur quoi? Voilà. En 2022, je vous ai laissé faire mensonge, humiliation. Désormais, désolé, mon ex-époux, je vais raconter mon histoire. Elle m'appartient.
Antoine le petit qui avait peur des réseaux sociaux, c'est fini. S'il fallait que je devienne blogueur, et oui, je le serais. Il dit que le chantage, il dit que oh, tu t'amuses, je vais lancer le direct sur toi. C'est fini. C'est mort. Tout le monde a pris courage. Maman. Entre le corps, c'est là, je ne mets pas mon doigt. Hein. Mon beau-frère tire à barrière sur Sanga. Je ne mets pas mon doigt. Pas de quoi. Maman, c'est grave. Et voilà la partie m'a indexé que mon grand frère était encore fait quoi. Ah, pardon. Maman, c'est chaud. Il a même mis les photos de ses Mona, c'est sérieux, hein? Maman. Seigneur, c'est grave, hein? Ceci est différent sûrement, mais je ne ferai comme un père de famille avec vie normale en France, boulot, dodo, famille, dodo, est devenu gigolo et proxénète du jour au lendemain. La cupidité, peut-être pas. Nos choix conditionnent notre vie, c'est mon histoire, je vais vous la raconter. Zico, l'enfant des tribus. Mamé, les abeilles m'ont insulté sur ton pouce. Mamé, c'est grave, hein? Non, moi, je ne parle pas, moi, la qualité. Le gars, ce que vous voyez là, c'est mon grand frère. Vous comprenez, non? Ce n'est pas les histoires que. Il a même. Allez, mon premier grand frère, le premier fils à ma mère. Pardon. La fille a trop poussé. Antoine Atangana à bout, voilà le résultat. Maman Gabriel, pardon, oh. Tu as su mon direct tout à l'heure, Gabriel. Est-ce que j'ai parlé de mon grand frère? Toi-même. Toi-même, j'ai parlé de lui. Moi, je respecte les gens. Je suis une fille respectueuse. J'ai parlé de lui. Vous avez dit que non, que c'est mon grand frère. Il m'avait me lavé sous la pluie. Gabriel, tu es témoin. Vous avez dit que moi, je ne connais pas mettre en spectacle avec les gens des tribus. C'est les gens des tribus qui me prouvent. Moi, j'évite. Je n'aime pas un spectacle. Sauf quand tu vas très loin, c'est là où je me mets en spectacle avec toi. Mais sincèrement, j'aime pas. J'aime pas me mettre en spectacle avec les gens des tribus. C'est grave, hein? Il tire à balles réelles, les filles. Il tire à balles réelles, les filles. C'est grave, hein? Ah! Les secrets, oh! Les secrets. Vous voyez les choses, les filles. Vous voyez les choses. Maman, aïe, 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 maman, celui qui avait. Elle dit que. Maman, je n'ai rien dit au Gabriel. Oh, oh c'est pas par peur, c'est par respect. Oh. C'est mon grand frère. Il dit que. Elle, c'est Cathy. Ma petite soeur chérie. La petite soeur de Feu Titi de Paris, mon frère. Celui-là qui avait conduit Michel devant le maire le 2 septembre 2017 à La Rochelle. Mon enfant, s'il te plaît, je te laisse raconter au monde qui était Fabrice, le beau des beaux pour Cathy, ta petite sœur chérie. Ah! Seigneur Jésus, j'ai la chair de poulet. Donc, il dit qu'ici, il dit que mon ex-épouse, comme tu vis du paraître, du déni, du mensonge, de la victimisation et de la manipulation, s'il te plaît. Raconte au monde qui est réellement Fabrice, le beau des beaux, mon Bindi, comme je l'ai toujours appelé. Et lui m'appelait mon Bic, mon bon grand. Surtout, qui est Cathy pour toi, le plus important, qui était encore Titi de Paris, un mec près. Donc, le voilà, c'est lui qui accompagnait à l'église. Maman, je vois les choses, mais vous comprenez. Il ne parle pas la fessie. Hey, c'est plus fort que moi, maman. Hey, les filles, on parle de quoi? Aïe, pardon, on dirait des tatanas. Parce que là-bas, ils parlent de l'autre. Moi, j'ai pas envie d'entrer là-bas. Aïe, c'est fort, hein? Donc, Fabrice, ça, c'est lui qui l'avait amené. Non, je parle pas la fessie. Aïe, ma bouche. C'est chaud, hein? Aïe. On parle de quoi, les filles? C'est fort, hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vous m'en passez trop fort. C'est fort, hein? Parlons dormons. Aïe, 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 aïe
Le chapitre là sera long. Maman, il y a une soeur. C'est mon grand frère. Oh. Yom sœur, pardon. Tu sais que Yom sœur, pas te mentir, Gabi, il y a des choses qui sont plus fortes que moi. Ne demande pas. Non, pas les choses, mais il y a les trucs, il y a le niveau 15. Ça me dépasse. Il a mentionné mon nom dans un camaté. J'ai encore fait qu'au grand frère ici. Il paraît qu'il a mentionné mon nom. Allons un peu voir. Zico, qui est moi. Allons voir, il paraît qu'il a mentionné mon nom quelque part. Oh yo, ça a cuit. Donc ça veut dire que, on va expliquer, je dirais c'est après, vous comprenez, non? Moi c'est mon grand frère, hein. Je vous ai dit non. Je vous ai dit qu'on rapporte toujours le direct. Suis ce qu'il dit. Suis toi-même, Gabriel. Rêve bien et je reconnais que j'ai pas suivi ton direct. Et la personne qui m'a rapporté, je lui ai dit que jamais Lolo ou Rêve ne peuvent me manquer de respect. Vous avez suivi le Congo, ça non? Vous avez suivi comment les gens aiment cogner les têtes? Lolo ou Rêve ne peut me manquer de respect. Et il a raison. Il vous a dit quoi ici, là? Que je ne peux... Regardez-moi l'idiote, si Liliane. Antoine, c'est mon grand frère de Kribi. Il a mangé dans la mamie de ma mère. Contrairement à vous, j'ai du respect. Liliane, Antoine est dans mon direct, il m'écoute. Rêve, ma petite sœur. Je reconnais que j'ai pas suivi ton direct. Parce que voilà ce que je lui ai dit. Voilà. Il lui dit que c'est très chaud, hein. J'ai encore fait quoi? Ne fais pas les choses de Maléba, hein. Les on dit que sans vérifier. Va réécouter mon direct. On va même faire comment avec vous. Il est tué ma petite sœur. Donc avant d'avancer les choses, tu devrais m'appeler. Compression m'a humilié devant vous. Et quand elle a humilié mon grand frère, j'ai appelé une de nos sœurs de Kribi. Je lui ai dit, j'ai le voice. Je lui ai dit qu'à l'heure, on doit supporter notre grand frère. Attendez, le bip ici, là. Il vient écouter le direct ici. Regardez-moi les sorcières. Une bande de bordel de camions. Elle veut cogner la tête avec mon grand frère. Vous êtes malade dans vos têtes. On dirait qu'il manque de respect aux gens de Kribi. J'ai mis le poste là sur ma... Sur l'étoile Kribi, vous avez sauté ou quelqu'un venait l'insulter. Moi, je ne suis pas des gens d'écrivain. C'est quand tu piétines, c'est quand tu enlèves mon hôtel que je te laisse pas. Mais les petits des gratunis, là, moi, j'écoute, hein. Moi, je passe dessus, hein. Et n'insulte pas les gens d'écrivain. Vous êtes malins dans vos têtes. Bande de manipulateurs. Hein? Après, mon grand frère dit que, car je suis le grand frère depuis Kribi, notre village. Rien réagit sur un point précis. On m'a rapporté que tu aurais dit que c'est compétent qui m'envoie. Désolé, toi et moi, on n'a pas à se quereller en public. Étant grand frère, tu dois montrer l'exemple. Donc, je m'excuse de mon poste sous l'émotion. Plein de bisous à toi, ta petite famille. Lola, mon faux, si tu veux savoir les vraies raisons de ma sortie. Vous avez suivi. Même mettre vos cœurs sur le commentaire, là. Honte à vous, bande de sorcières. Entre compression et mon grand frère, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Choisis mon grand frère sans réfléchir. Bande de sorcières. Hein? Même si on se gâte, quand il va passer devant la maison, il va se rappeler que, hey, ma petite s'est habitée ici, là. Bande de sorcières. Enlève, hein? Vous avez vu les choses, là? Vous m'avez vu un jour manquer de respect à Antoine Atarana ici là, imbécile, oui, une bande de vendeurs de pimenteuses. Attendez, vous dites qu'on ne peut pas payer l'affaire d'Antoine, c'est mon grand frère. Vous savez, vous dites quelque chose, les filles. Non, tu n'as rien dit, tu vas. Voilà, lui-même il a écrit. Tu n'as rien dit de mal. Pardon, je n'ai pas parlé de lui. Donc, ça veut dire que même avec Malébé, il n'a pas de contact. Il n'y a pas de choix à faire. C'est mon frère. Ce n'est pas les histoires que je n'ai jamais vues. Je le connais, je l'ai vu. Ce n'est pas les histoires qu'on dit que tu n'as jamais vu la personne. Moi, on sort tous des Kribi. Lui, je le connais. Vous comprenez, non, les filles? Je le connais. Donc,
Plus de me prononcer à mal, mieux je me tais. Que de lui manquer de respect, mieux je passe comme un taxi plein. Parce que lui, je le connais. Ce n'est pas les histoires de Facebook. Ce n'est pas les histoires. Je le connais, il connaît ma mère, il connaît mon père, il connaît tous mes frères et soeurs, il connaît tout. Il m'a vu à Kribi, comment je me lavais sous la pluie. Je courais. Je courais sous la pluie. Il m'a sissia. Quand je sortais pour aller me balader, c'est eux qui me sissia, qui rentre à la maison. Je ne peux même pas m'amuser. S'il vient, il m'insulte. Ma mère va lui demander que tu insultes la fille là. Pourquoi? C'est ma mère qui va lui poser la question. Je ne peux jamais lui manquer de respect. Mieux, je quitte. Je tourne mon dos, je pars. Parce que l'épisode, c'est comme il est sorti là, sera long. Maman. Ouh, ça sera grave, hein. Tout ça à cause d'un gosse Maléba. Tout ça à cause d'un bonbon illettré. C'est Michel et Soma. Tu cherchais quoi avec cette fille? Vous voyez l'ingratitude partout. Tu cherchais quoi avec cette fille? Hein? Tout le monde va parler de toi. Tu veux rester dans ton coin? Est-ce qu'un bonbon illettré, c'est une fille qu'on prend comme amie? Elle a quoi? Elle n'a pas grandi dans un caveau familial. Elle a grandi en route. Ce sont les filles qui n'ont plus le sang à l'œil. Hein? Tout ce qui l'approche font attention. Hein? Maintenant, elle raconte aux gens qu'elle a tes trucs, elle a tes secrets. Hein? Même les cocos n'ont pas seulement voulu tout parler. Parce que la présidente de la Russie a dit non. Hein? Tu cherchais quoi avec cette fille? Tu voulais narguer qui? On peut tu peux bien narguer qui avait Maléba, avec un gosse perpétue. Tu peux narguer qui avec un bonbon illettré. Quelqu'un te dit qu'on est passé au 17e, tous les hommes du 17e l'ont connu. Elle ne blase personne à Paris. Tu vas la narguer avec qui? On te dit qu'elle ne blase personne. On te dit que tous les hommes du 17e connaissent l'Angala, qu'elle a commencé au 17e. Dès qu'elle a quitté le Charles de Gaulle, on lui a dit qu'il y a un endroit, là-bas, il y a les Camerounais, il y a les Féman. Elle s'est retrouvée là-bas, boum. C'est pas qu'on l'a portée pour l'amener au camion. Tu peux la blaser avec qui? Entre nous. Tu peux blaser qui avec elle? Tu t'es mis dans la merde. Hein? Elle va parler. C'est une fille qui aime voir les gens. Elle aime voir les gens. Elle aime qu'on humilie les gens. Elle est ingrate. Elle va parler. Elle ne peut pas. Tu vas négocier n'importe comment. Elle va parler. Elle dit qu'elle a tes secrets. Nous, ça, tu nous dis que tu nous fais cadeau. Tu nous fais cadeau de Michel Essoma. On t'a dit qu'on a besoin que tu nous fasses cadeau. Avant d'être avec Michel Essoma, elle était là-bas avec qui? Qui t'a dit qu'on a besoin d'elle? On va seulement montrer au monde ton ingratitude de bonbo illettré. On veut montrer au monde ton ingratitude. Tu es ingrate. C'est toi qui fous la fille dans la merde. Elle partait où avec toi? Même l'homme qui t'a donné une chance, Achille, tu étais ingrate avec lui. Même si il tenait, c'est un cas. Regardez. C'est Sylvie Tenier, c'est pas moi. C'est moi-même, tu vas faire quoi? Même ma grâce à Sylvie Tenier sera le même temps. Cet anniversaire se veut particulier parce que Michel, elle est pas des Regardez-vous même quand un homme ouvre la porte. C'est vite tenu, c'est un cas social. Michel, happy birthday.
Seigneur. Cette fille veut vous retarder. Cette fille veut vous retarder. Éloignez-vous de cette fille. Faites vos vies. Cette fille veut vous retarder. Regardez-la bien. Éloignez-vous d'elle. Faites vos vies. Cette fille veut vous retarder. Comme tu dis, Gabriel, il faut choisir, il faut savoir choisir ses fréquentations. Il faut savoir choisir ses fréquentations. Qu'est-ce que vous prenez? Cette fille, comme elle sait qu'elle ne peut pas avancer, elle a refusé d'aller à l'école. Tout le 17e l'a bousillé. Elle veut absolument retarder tout le monde. Soyez sage. Nous, on perd le temps avec elle là parce qu'on n'a pas recommencé les vraies choses sur Facebook. Cette fille veut vous retarder. Soyez sage. Michel et Soma, tu partais t'asseoir quoi avec elle? Tu es marié avec un homme, c'est ton mari. Si tu as eu les problèmes, tu ne peux pas te mettre avec un gosse illettré. Tu ne peux pas te mettre avec Maléba illettré pour l'insulter. Hein? Maléba, c'est qui? Pour venir insulter un homme comme mon grand frère. Vous avez regardé l'homme? Attendez, vous montez un peu bien, l'homme là. Non. Parce que moi, j'avais appelé une de nos soeurs de tribu que non. Voilà le grand frère qu'on est en train de lyncher. On fait comment? Si elle est honnête, elle va dire au grand frère là que Rêve m'avait appelé. Elle, si elle est honnête, elle va dire que Rêve m'avait appelé. Tu te mets avec qui pour inciter un homme comme ça là? Non, entre nous. Quand tu te mets pour inciter un homme comme ça avec celle-là, franchement, tu as même vu l'homme. C'est pas les hommes de B à B, hein. Il a un niveau, hein. Il a un niveau, hein. C'est pas B à B, hein. C'est pas un homme de B à B, je rappelle un niveau. Quand tu te mets avec un gosse illettré qui ne sait pas faire B à B pour venir insulter un homme comme ça, là, vous comptez sur quoi? Non, il faut arranger le problème, là, hein. Vous pouvez toujours arranger, c'est ton gars. Quand tu te mets avec une bombe électrique que tout le 17e connaît, a pris, tu viens insulter un homme comme ça là. Non, toi-même, dis-moi un peu, ça ne donne pas. Voici mes frères, ce sont mes gars, mes frères de Kribi. Ah, voici le nouveau gars de Michel ici. Ah bon? Et c'est lui ici. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Alors là, le dossier est trop fort. Moi, ça ne me regarde pas. Mon grand frère a dit que si vous blaguez, lui-même, il sera blogueur. Lui-même, il sera blogueur. Moi, ça ne me regarde pas. Mon problème, c'est un bonbon illettré. Moi, ça ne me regarde pas. Vous cherchez souvent vos esposes et les fausses gars, dis donc. Les fausses filles. Quand on me dit que je suis choqué, c'est que j'ai vu l'anniversaire à ce moment. C'est un chaud, c'est un cuit. Exactement. Ton gars l'a menacé. Regardez le visage. Mais compressor, c'est pas la fin du monde, hein, ce monsieur. C'est bon, ça veut dire que moi, tu pourrais me trahir. Je ne fais pas le plan. Qui veut faire le plan avec toi? La réunion avec les ténébreux là-bas, là, 50, t'as dit 60 même, ça me laisse à 37. Toi-même, tu laisses tout le monde à 37, hein, ma chérie. Vous allez faire parler, pleurer, ça me laisse à 37. Si je vois seulement une personne de ces personnes-là, avec mon mec, là, je vais voir la trahison. Là, je vais être mal. Là, je vais pleurer. Je vais dire que merde. Je ne suis pas tu qu'une tuée. Pourquoi je veux me prendre la tête que parce qu'on dit qu'une amie ou des amis t'ont trahi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pour moi, la trahison, c'est mon mec. Que ces personnes qui sont dans les ténèbres là viennent faire. J'entends seulement qu'une personne était avec mon mec. J'ai la preuve que tu étais mon mec. Là, je vais voir la trahison et je vais lancer le dieu. Je vais pleurer comme ça à chaud des larmes.
Parce que là, mon ami, mon meilleur ami sur la terre, là, c'est mon gars. Massa. Il n'y a que mon gars qui peut me nuire. Et il n'y a que moi qui peut nuire, mon gars. Il n'y a que nous deux, là. Parce que quand je me lève le matin, c'est la personne qui est à côté de moi, c'est lui qui voit. Je suis comme le ver de terre. Donc, il n'y a que lui. S'il veut me faire du mal, il n'y a que lui. Si moi aussi, je veux lui faire du mal, il n'y a que moi. Donc, la trahison des copines, l'être humain, c'est le mot que mon gars me dit souvent. Il me dit, l'être humain est très imprévisible. L'être humain, c'est la nature qui nous a créé comme ça, là. Vous ne pouvez pas... T'as dit, moi, je ne suis pas milliardaire. Qu'est-ce que je peux donner à toutes ces personnes-là? Je ne peux rien leur donner. Moi, j'ai quoi? Pourquoi on va chercher mon amitié? Moi, je n'ai rien. Je n'ai que mon petit amour à vous donner, à partager. Quel amour tu donnes? Tu es ingrate. Tu es une ingrate. Et je vous le dis souvent, vous-même qui intervenez pour moi. Quel amour? Tout ce que je peux vous donner, ma petite contribution, c'est l'amour et le partage. C'est tout. Je n'ai pas le million. Quel amour tu donnes? Je n'ai pas. D'abord, vous-même, vous connaissez moi, je suis la plus grosse mendiante sur la toile. Vous-même, vous savez ça. Tu as fini d'utiliser Michel Essomba. Sur la toile. Maintenant, ma copine m'a dit que non. Moi, je vais m'aller me battre dans les pays étrangers là pour nous deux. Mais le tout, c'est là, ça a mordu. Donc, ça a mordu. Je vais dire comme ça, merci à la grande sœur Prestige, la classe. Merci pour le cadeau. J'ai vu. Ma copine m'a déjà appelé. On va se croiser. Elle va me remettre. Merci. Merci beaucoup. Donc, ne vous prenez pas la tête. Que, oh, trahison. Il y a des copines, comme je disais hier, il y a des copines qui se sont comme dans la TKC. Vous croyez que dans la TKC, tout le monde est d'accord avec moi? Non. Dans la TKC, moi, je ne suis pas d'accord avec. Il y a les sorties que je vois, je ne suis pas d'accord. Je me retire seulement, je reste dans mon coin. Je n'ai pas besoin de venir faire les directs pour commencer à dire que wow, vous avez fait. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. On dit dans la vie, tu peux me présenter quelqu'un. Non, il dit que son dé... ça me dépasse. On devient même plus amis que toi qui m'a présenté. C'est comme ça la vie. Qui t'a présenté Michel, ma chérie? Je n'ai pas à... C'est-à-dire, quand on me dit que je suis choquée du fait que j'ai vu l'anniversaire... Qui a dit que tu es choquée? C'est toi-même qui dis que tu es choquée. Je tiens à vous rappeler, quand un sujet se retrouve sur la toile, si vous ne vouliez pas que la petite débatte votre direct ou votre vidéo, vous ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Quand un sujet se retrouve sur les réseaux sociaux, chacun est libre de décrypter à sa manière. Arrêtez de dire que Maléba a envoyé quelqu'un. Parce que moi, même si je veux vous dire, je n'ai peur de personne. Vous le savez. Vous le savez très bien et vous connaissez mes capacités. Que tu as quelle capacité? Tu as quelle capacité? Moi, quand j'agis, c'est souvent trop sale. Tu as quelle capacité? Pour l'instant, rien ne me choque là. Si quelque chose me choquait, j'allais agir, on allait voir que ça m'a choqué. Si vous voulez me choquer, prenez mon gars. Vous devenez ami avec lui. On fait quoi avec lui, un bouzaïe? On fiche au camp. On fait quoi avec un bouzaïe? On fout le camp. Vous êtes dans votre monde. Moi, je ne suis pas dans le même monde que vous. C'est logique que vous fonctionnez ensemble. Je n'ai rien à foutre. Mais n'amenez pas vos choses. Elle dit qu'elle n'est pas dans votre monde de piment. Hein. Si vous voulez que ce soit privé, vraiment, faites dans le... Faites vos choses privées en elle privé. Elle dit qu'elle n'est pas dans votre monde de piment. Parce qu'elle a fait 20 ans de camion. Le monde public. On va agir. Chacun va prendre les décrypter à sa manière. Chacun va décrypter. Et sachez que nous, toutes là, nos vies, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Mais ta vie est trop sale. Il y a une qui dit que moi, je marche avec les gens à Rouen. C'est les gens de Rouen qui donnent. C'est comme ça que vous aussi, on nous donne aussi vos balles. Sachez que les réseaux sociaux, tout le monde connaît tout le monde. Mmh. Quand je viens parler de toi, on va m'appeler pour me donner, me dire que est-ce que ta fille que tu parlais d'elle là, viens, je te dis. Mmh. Mais vous, quand t'as dit ça, changez quoi là. Elle travaille vers Beauvais là-bas là. Je vais aller filmer, je vais vous montrer. Non, va filmer. J'attends que ma mère entre. Va filmer, mémé. Elle a seulement suivi le direct. Elle a entendu comment est-ce que celle qui fait les réunions de 6 500 € parlait de moi. Elle a dit qu'elle reste tranquille. Elle a dit qu'elle ne vend pas le piment, non. Je vais t'amener où elle vend son piment. Donc, sur les réseaux sociaux, chacun a les balles de l'autre. Donc, tout le monde peut prendre son téléphone comme ça, là, venir se défendre, venir dire ce qu'il a envie de dire. Et personne ne va,
Personne ne va rien faire. Mais je ne veux pas entendre après qu'il y a les plaintes. Soyons vraiment sport. Parce que moi, quand on dit que oh, tu es, je prends sur moi, n'allez pas porter plainte après. Michel, tu as suivi, ne porte pas plainte après. Je veux que vous soyez les vraies guerrières et les vraies combattantes. Comme nous là. Ne partez pas porter plainte. Zéro plainte. J'espère que comme vous entrez, bienvenue dans l'équipe. Michel, bienvenue. Dans l'équipe des ténèbres. Maintenant, quand vous allez faire vos trucs, moi je pense que quand je fais mes directs, ou bien quand je fais mes choses, je ne vous offense pas. Michel, oh, Anoseleo. Vous avez fait les directs, on me dit que les ténèbres dans la nuit de la sorcellerie, mon nom, compresseur, pampex, compresseur. Pampes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Faites vos réunions. Arrêtez avec moi. Arrêtez avec le nom de mon mec. Si vous n'avez pas respecté l'homme, il est parti. C'est pas de ma faute. C'est ça même. Ce n'est pas de ma faute, je c'est suis ça même. Jusqu'à vous dites que wow, on a pris, vous avez pris mon homme, je prends aussi vos meilleurs amis. Michel Soma n'est jamais mon ami. Ah. Mais tu as pris ses cadeaux. C'est hein? Jamais mon ami. Ingrate. Aïe, la fille si. Combien mon collègue dit. Prenez qui vous voulez, mais ne touchez pas mon mec. Okay. Si vous ne respectez pas vos mecs là. Si vous ne respectez pas vos mecs. Le mien là, je le respecte. Comme vous avez dit que j'ai peur de lui. Le mien là, j'ai peur de lui. Mais Antoine ne parle pas avec elle. Dans une relation, c'est une base. Il a mis ses bases. Il a mis ses bases. L'homme, le coq, le capitaine, dit que tu ne fais pas des directs quand je suis là, tu ne fais pas. 20 heures, tu ne décroches plus le téléphone, c'est ça qu'on appelle un homme net. C'est mal. Maman! Donc il a trouvé une femme qui correspond. Attends, on va bisser. 20 heures, tu ne décroches plus quoi? Faites vos réunions. Arrêtez avec moi. C'est pas possible. Arrêtez avec le nom de mon mec. Michel et son manet si pas sa copine. Écoutez. Vous n'avez pas respecté l'homme, il est parti. C'est pas de ma faute. Non, elle n'est plus la marraine de Gabou. Ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. Jusqu'à vous dire que oh, on a pris. Vous avez pris mon nom. Je prends aussi vos meilleurs amis. Michel et son manet jamais mon ami. Elle n'a jamais été mon ami. Maman. Elle n'est pas mon ami. Monsieur Soma n'a jamais été mon ami. Prenez qui vous voulez, mais ne touchez pas mon mec. Ne touchez pas à Thierry, si s'il vous plaît. Si vous ne respectez pas vos mecs, là. Si vous ne respectez pas vos mecs. Le mien, là, je le respecte. Non, fais-vous, c'est la magie, Claire, toi. Le mien, là, j'ai c'est pas la magie. Aïe! Dans une relation, c'est une base. Il a mis ses bases. Toi, tu as mis quoi, maman? L'homme, le coq, le capitaine. C'est ça. Dit que tu ne fais pas des directs quand je suis là. Tu ne fais pas. Non, ça. 20 heures, tu ne décroches plus le téléphone, c'est ça qu'on appelle un homme. Mec, c'est un mal. Donc, il a trouvé une femme qui correspond. Une désespérée. On est compatible. Compatible à quoi? Tu es désespéré, tu t'accroches à lui. Ça, tu es désespéré, tu t'accroches à lui. Tu appelles dans ta maison. Tu appelles le diable dans la maison. Donc, moi, je suis en train de dire, mon mec, je viens, je prends le con. Je sors ça comme ça là. Jamais. Le sang qui t'a fait couler là, c'était pas le diable. C'est pour ça que vous avez toujours dit que mais, la fille là même là, qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi elle a... Quand un homme part, c'est parce qu'il se trouve. Là, il est parti dehors, là, il est à l'aise là-bas. Même ma fille est partie. Allez avec. Les copines, il y en a plein. C'est-à-dire, chaque jour, tu peux avoir une amie. Regarde comment elle triche. Elle m'a dit qu'elle n'écoute pas mes directs. Idiote. Elle m'a dit que je suis jalouse des anniversaires, anti. Qui a dit que tu es jalouse? Je suis jalouse des anniversaires de quoi? Ok. Demain, il sera un anniversaire. Ma grande sœur l'anniversaire. Demain, il sera là-bas, il boit le champagne. C'est question d'anniversaire. Ouais. Jusqu'à me dit que, wow, tu es jalouse. Jalouse de quoi? On sent que vous prenez mes restes. Toi, tu as pris le reste de qui? Thierry, c'est le reste de qui? Prenez, allez avec vous. Thierry, c'est le reste de qui? Partez avec.
Tout ce que tu fais avec Thierry là, c'est avec Tatiana. C'est moi qui suis la blogueuse. Parlez de moi. Quelle blogueuse? Je vous donne l'ordre de parler de moi. Mais on parle pas de toi, de Thierry qui? Arrêtez de prononcer son nom dans le direct. C'est pas parce qu'il est sorti avec Il a fait 7 ans avec Tatiana. Tu n'as pas encore fait 4 ans avec toi. Dans vos directs. Il a fait 7 ans. Thierry a fait 7 ans avec Tatiana. On ne connaît pas qui sont vos hommes. Homme. Vous êtes obligé d'être dans les ténèbres parce que vous êtes l'autre là-bas dans un appartement en train de vendre son piment. L'autre de l'autre. Toi-même, tu vends le piment dans ton appartement. Vous prenez les besoins de négatif pour envoyer ça à mon mec. S'il vous plaît. Toi-même, tu vends le piment dans ton appartement. Vous savez que moi, est-ce que quand on prononce le nom de mon gars, il devient vulnérable. Hein, tu deviens vulnérable. Moi, on peut parler. Coucou, Ndolé Miondo, bonjour, Longo. On peut parler de moi. Moi, je suis une ampoule grise. Ton gars, c'est un bosailleur. C'est le reste de Tatiana. Tout ce que. Compresseur Maléba, Ngomaléba, Perpétue, Bombo Prilétré. Ton gars, c'est un bosailleur. Tout ce que tu avais, ton gars, il a fait avec Tatiana. Toutes les positions que tu fais avec lui, il a fait avec Tatiana. Rien de nouveau sur le soleil. Il a fait 7 ans avec Tatiana. Tous les bisous que tu donnes à Thierry, Thierry a fait avec Tatiana. Tous les plats que tu fais à manger à Thierry, Tatiana, lui, a fait ça. Tous les pet-pets qu'il fait dans ta chambre, il a fait avec Tatiana. C'est le reste de quelqu'un. Tu as compris? Tout ce que tu as fait avec Thierry, il a fait avec Tatiana. Elle a fait avant toi. Tu as pris son reste, tu as pris son jouet usé. C'est un after use. C'est un after use. Elle connaît toutes les sensations, les couleurs, tout. Elle connaît toutes les émotions de Thierry. Ils ont partagé 7 ans de vie. Des hauts et des bas. Les bagarres, les réconciliations. Donc tout ce que tu racontes là, Tatiana a raconté ça. C'est du déjà entendu et déjà vu à Rouen. Ce n'est pas nouveau. D'accord? Ça, je n'accepte pas. Si vous ne protégez pas vos mecs. Tu le protèges. Quelles sont ces femmes-là même que, à 1h, 2h du matin, elles sont en direct? À quel moment vous vous occupez de vos familles même? On ne s'occupe pas de nos familles. À quel moment? Vous voyez que vous... On ne s'occupe pas de nos familles. On n'a pas de famille. Mais nous sommes plus épanouis que toi. Aucun ne nous a blessés en public. Nous, on a vu. Pour les autres, vous racontez ce qui a été dit. Mais nous, on a vu pour toi en direct. Comment il t'a humilié. Il t'a fait signer. Il t'a chosifié. En soutien-gorge. En petite tenue. Devant la femme de son ami. Il grondait. Il criait, il te criait dessus. Il a dit que tu voulais appeler la police. Il te dit, monte dans la voiture. Tu ne voulais pas monter. Tu étais humilié. En petite tenue. Devant la femme de son ami. Tu étais en sang. Il t'a humilié. Il t'a terrorisé. C'est un bourreau. C'est un pervers narcissique. Ce qu'il fait avec toi, il a fait pareil avec Tatiana. Il a bagarré avec Tatiana. Il a frappé. Il a blessé. Mais l'amour était plus fort. Tu as cru que c'était Tatiana. Il t'a fait croire que c'est Tatiana le problème. Il t'a fait croire que quand il était violent avec Tatiana, c'était elle le problème. Que non, tu es la solution. Tu es celle qu'il a longtemps cherchée. Même pas 2 ans de relation, il t'a humilié. Il t'a frappé. Il t'a déshumanisé. Il a enlevé ta peau. Il t'a fait saigner. Il t'a rendu triste. Et jusqu'à présent, tu n'as pas retrouvé tes esprits. Maléba, on ne te reconnaît pas. Tu es l'ombre de toi-même. Ce que tu ne dis que des énormités. Tu es perdu. Tu n'es pas dans une relation. Tu es dans un enfer. Tu vis avec ton bourreau sans t'en rendre compte. Tu fais les éloges de ton bourreau. Tu as cru qu'avec toi, ça allait être différent. Il t'a fait croire, comme un bon pervers narcissique, que Tatiana, c'est la cause. C'est elle qui le pousse à être colérique. Il t'a fait croire que c'est Tatiana qui le pousse à être méchant, à être monstre. Et que toi, tu le comprends. Tu es mieux qu'elle. Tu l'as pris, tu l'as mis dans tes fesses. Même pas 2 ans. Il t'a humilié. On t'a retrouvé en petite tenue. Devant l'ami, son ami, en train de t'expliquer. Il est en train de gronder son ami.
Au juste qu'elle monte dans la voiture, elle refuse, elle dit qu'elle va payer la police. Il criait fort. Il criait fort. C'est un malade mental. Il criait. Et pendant ce temps, tu tentais de pleurer. Tu te filmais. Les cuisses avaient les taches, les bleus. Les bras, le sang partout. Le visage, tu méfiais. Et tu viens parler aux dames. Pardon, tu es qui toi? Tu es qui? Tu es qui? Tu as voulu appeler la police. Tu as dit que tu as un numéro, tu as un téléphone personnel qu'on t'a donné en cas, un téléphone de détresse, un téléphone d'alerte. Tu as dit que tu vas appeler la police. Mais tu ne pourras pas faire ça à Thierry. Parce que nous, on va se lever. Tu es une ingrate. Michel et Somata t'a tout donné. La marraine de ton enfant, elle n'est pas ta copine. C'est pas elle la marraine. Tu l'as amenée devant Dieu pour être la marraine. Tu as oublié que tu l'as amenée devant Dieu pour être la marraine de ton Mouna. Devant Dieu. Devant Dieu, tu l'as amenée que pour être la marraine de ta nièce. Tu as amené Michel et Somba devant Dieu. Et tu l'as présentée comme étant la marraine de ta nièce. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, tu viens nous dire qu'elle n'est pas ta copine. Elle n'est pas importante pour toi. Il faut qu'on la prenne parce que ce sont des restes. Carrément. L'ingratitude. Et tu dis qu'on ne parle pas de Thierry parce qu'il t'a terrorisé. Il t'a appelé, peut-être qu'il ne veut plus entendre son nom dans les directs. Quand tu lances le direct, on regarde ton visage. Tu n'es pas bien. Tu es terrorisé quand tu parles de lui. Tu es terrorisé quand tu parles de lui. Hein? Tu es terrorisé quand tu parles de lui. Tu es terrorisé. Tu as peur de le perdre. Mais tu vas le perdre. Il est trop jeune pour toi. Tu ne lui apportes rien. À part les injures des réseaux sociaux. Quand on aime un homme, quand on aime un homme, on prend du recul. On dit, ok, je suis obligé de fermer mon direct pour que mon mur... Nous sommes des femmes. Je suis obligé de fermer mon mur ou alors je m'excuse. Pardon, ne parlez plus de lui. Je ne prononcerai plus vos gars. Mais ce n'est pas la guerre. Tu ne menaces personne parce qu'on va parler de lui, que c'est un pervers narcissique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Nice. Nice Joe. J'ai dit tout à l'heure que ça devient de la sorcellerie. Dans mon premier direct, j'ai dit que ça devient de la sorcellerie. Ce n'est pas à Michel Soma que tu devais faire ça. Le jour que tu insultais mon grand frère Antoine, j'ai appelé une sœur de Kribi. Je lui ai dit que ma sœur, voilà notre grand frère qu'on est en train de lyncher. On doit se lever pour soutenir notre grand frère. J'ai encore le voice dans mon téléphone. C'est pas Antoine que tu devais être en train d'insulter. Tu es une ingrate. Même si Michel et Antoine avaient des problèmes, tu devais te taire. Tu devais rester neutre. Tu devais appeler à la paix. Tu n'es pas venu insulter Antoine parce que tu as besoin des miettes mendiantes. Idiote. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu dis que tu ne peux pas me fabriquer. Tu peux fabriquer qui? Tu peux fabriquer. Tu as fabriqué qui sur la toile, on a vu. Dans la négativité, dans la médiocrité, dans l'ingratitude. Avec tout l'argent qu'elle lui a donné. Donc, elle est. Entre Michel et tout, il n'y a pas de choix à faire. C'est déjà fait. Entre Antoine et vous, il n'y a pas de choix à faire. Tu es une ingrate. Tu... Ma voisine, oui, voisine, voisine, oui, voisine, voisine, oui, voisine. Maintenant, tu viens insulter Anne Ossélie. La fille, si elle, je vous ai dit que. Quand on veut la clash, on se lève, on l'insulte. Mais concentrons-nous sur nos objectifs. Elle n'est pas comme nous. Quand tu as envie, tu la clash. Après, tu passes. Parce qu'elle n'est pas comme nous. Elle ne blase personne à Paris. Elle ne blase personne. C'est pour ça qu'elle est allée à Rouen. Et à Rouen, elle crée du désordre. Tu as vu une jeune fille comme Tatiana. Elle est dans la médecine. Elle travaille.
Ce matin, elle est en salle d'opération avec les médecins, en train de sauver Vévi. Tu es dans la voiture, en train de dire que mon mec, mon gars, mon chéri, Tatiana a fait tout ce que tu fais avec lui. Elle s'est réveillée le matin, ils ont passé 7 ans. Ils dormaient ensemble, ils ronflaient, oh. Ils utilisaient les mêmes oreillers, oh. Les mêmes draps, oh. Les mêmes serviettes, oh. Les mêmes gants, oh. Les mêmes gels. Rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu as fait avec Thierry, Tatiana a fait tout. Rien de nouveau. Moi, on n'est pas pareil. Moi, ce matin, très tôt, il fallait que j'aille accompagner l'enfant à l'école. Si. J'ai oublié son maillot de bain. Il fallait que je coupe pour aller donner. Si. À quel moment tu vas te lever, à quelle heure pour prendre ta douche, pour prendre, laver l'enfant, lui donner son petit déjeuner? Nous ne sommes pas pareils. Si. Moi, j'ai fait un choix de vie. Écoutez. De m'occuper de ma vie de couple. Écoutez. Oui. La journée, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je dois préparer aujourd'hui parce que mon mec doit manger? Faut que je fasse le ménage. Seigneur. Écoutez-moi, écoutez, je suis... Je sais pas si la fille, c'est quand je me demande quand c'est vrai, écoute, c'est direct, je suis dépassée. Nous sommes en Europe. On va bosser. Elle nous dit comment il faut qu'elle aille déposer l'enfant à l'école. Après, voir ce que son mec va manger. Après, il faut qu'elle fasse le ménage. Après, quand elle va rentrer, elle va ouvrir la porte. Elle va réchauffer à manger. Vous écoutez ça? Non, mais vous écoutez. Vous avez, t'as dit, vous, qu'est-ce que vous occupe de vos journées? Mais nous, on travaille, chérie. Être dans les directs. Nous, on travaille. À parler de compresseur. On travaille. Il n'y a pas le temps de s'occuper d'un gigolo. Nous ne sommes pas des ténèbres. Donc, sa vie, c'est préparer. C'est faire le ménage. Son mec doit rentrer, il doit manger. Mais il va se lasser. Les hommes se lassent très vite. Bobo illettré, il va se lasser. Parce que ton mec, il a envie de t'appeler le vendredi. Que ma chérie, tu termines à quelle heure? Je te prends. On va manger quelque part. Il a envie de rentrer. Tu lui racontes ce qui s'est passé à ton lieu de service. Qui t'a énervé? Qui t'a félicité? Qui t'a fait des coups bas? Il veut parler de ça avec toi. Il n'a pas envie de rentrer, voir les plats. Tout ce que tu veux pas, la Tatiana a cuisiné ça. Tu vas faire quelle nourriture à Thierry que Tatiana n'a pas encore fait. Le coq des basses, il a mangé. Le coq des bêtes, il a mangé. Le coq, il a mangé. Le ndor, il a mangé. Le namgwan, il a mangé. Le sanga, il a mangé. Le poisson brisé, il a mangé. Le porc brisé, il a mangé. Le kwem, il a mangé. Le riz sauté, il a mangé. Le macabo, il a mangé. Tu vas faire quelle nourriture à Thierry que Tatiana n'a pas encore fait. Tout ce que tu fais à Thierry, là, il a dit à manger à Tatiana. Le porc, et puis qu'il a mangé. L'antilope, il a mangé. Le varan, il a mangé. Ils sont allés au Cameroun ensemble. Ils sont venus avec les provisions. Tout ce que tu fais à Thierry, là, c'est du déjà vu. Il l'a absolument. Quand tu dis que Thierry, c'est bon, il l'a. Il l'a. Donc, écoutez une fille. Elle nous dit qu'elle a déposé l'enfant à l'école. Elle a pris son maillot de bain. Comme je lui ai dit qu'un enfant doit avoir une activité extra-scolaire, elle écoute déjà. Parce qu'elle, sa première fille, c'était pas pareil. Mais elle nous dit qu'elle va aller faire à manger et elle va faire le ménage. De l'autre côté, vous prenez les zones de négatives pour envoyer ça à mon mec. C'est ce qu'il t'a dit. Faites vos directs, ne prononcez pas le nom de mon gars. C'est un gigolo. C'est un pervers narcissique. C'est vrai que pour moi, là, on peut parler. Coucou, Ndolé, Miondo, bonjour, Longo. On peut parler de moi. Moi, je suis une ampoule grillée qui n'a plus peur du coup circuit. Nous, on n'a pas peur du coup circuit. Mon protégé, mon mec. Ça, je n'accepte pas. Si vous ne protégez pas vos mecs. Quelles sont ces femmes-là même que, à 1h, 2h du matin, elles sont en direct? Il est 2h, c'est en direct. Vous occupez de vos familles même. À quel moment? À quel moment? Vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, ce matin, très tôt, il fallait que j'accompagne l'enfant à l'école. J'ai oublié son maillot de bain. Il fallait que je coupe pour aller donner. À quel moment? Tu vas te lever à quelle heure pour prendre ta douche, pour prendre, laver l'enfant, lui donner son petit déjeuner? Nous ne sommes pas pareils. Suivez. Moi, j'ai fait un choix de vie. Suivez. De m'occuper de ma vie de couple. Écoutez. Oui. La journée, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je dois préparer aujourd'hui parce que mon mec doit manger? Faut que je fasse le ménage. Vous avez, t'as dit, vous, qu'est-ce que vous occupe de vos journées? Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'elle fasse le ménage. À parler de compresseur?
Écoutez. Nous, on fait nos directs dans la journée. Hein. Nous ne sommes pas des. Mais parce qu'il t'interdit de faire les directs à 2h du matin. Vous avez entendu que dans, t'as dit, chez les abeilles ou chez les TKS, vous avez entendu qu'on a pris la corde pour attacher quelqu'un là-bas. Non, non, tu as entendu qu'on a blessé quelqu'un jusqu'à ce qu'elle a pleuré en direct. Chez nous, nos couples, on t'a dit, nous, quand on veut parler, c'est dans la lumière, on ne parle pas dans le noir. Tu as déjà entendu chez nous qu'on a blessé une femme en direct. On ne parle pas dans le noir. Vous êtes toutes là, les attachés, on vous attache. Toi, moi, on te blesse. Donc, vous croyez que moi, j'ai peur, que si j'ai envie de parler, je ne vais pas parler. Mais parle, non. Parle une fois. C'est mal me connaître. Vous avez, on n'a pas vu l'attachement là, mais toi, on a vu ton sang couler. Il y a des gens qui ne veulent pas porter plainte. Tu vas porter plainte. Oui. Parce qu'après, on va dire que dépression, les gens portent déjà plainte. Ne portez pas plainte. Ah non, Seigneur t'a averti. C'est interdit de pleurer quand je veux commencer. C'est interdit. Ah non, Seigneur, c'est interdit. Hein. On nous a fait asseoir ensemble. On a dit qu'on ne veut plus prononcer le nom de quelqu'un. Tu m'as entendu encore prononcer ton nom sur la toile. Toi, la teneuse de couteau. Hier, tu étais compresseur. Jusqu'à ce que tu me donnes les ultimatums que si j'ai tenté de clasher ta copine, Anne, je vais voir. C'est les endroits-là. Moi, c'est les endroits-là que moi, j'ai pris. Elle a dit tant on voit. Demain, quand ça va péter, tente Anne. Tente de clasher Anne. Idiote. Tente de clasher Anne. Tant plainte là. Sachez que nous sommes prêts, ce qui nous intéresse. Quand ça va péter, tu pars avec, tu montres que voilà. C'est elle qui a commencé. J'espère, quand vous partez faire les directs dans la rue, vous prononcez le nom de mon mec. Gigolo Pévin Narcissique. C'est mon gars. Hein? Je vous interdis de parler de mon gars. Pévin Gigolo Narcissique. Je veux même t'interdire même de dire que c'est ton ex. Moi, c'est le gars de Tatiana. Parce que tu étais un passage de sa vie. 7 ans de vie, imbécile. 7 ans de vie, idiote. 7 ans de vie. Oui, Thierry avait présenté Tatiana à sa famille. On attend qu'il l'amène au Cameroun. Il parle à nous, c'est lui qui décide. Il parle à nous, c'est lui qui décide qu'aujourd'hui, on mange ça. Demain, on part là-bas, on ne part pas, on fait comme ça. Maman. Si tu as parlé de ça avec une femme que. Maman. C'est lui qui décide de toi. Non, pardon, écoutez encore. Il parle, c'est lui qui décide. Il parle, c'est lui qui décide ce qu'on va manger demain. Tu m'as entendu encore prononcer ton nom sur la toile. Suivez. Hier, tu étais compresseur. Jusqu'à ce que tu me donnes les ultimatums que si. Compresseur, c'est ton nom, mon fils le camp. Compresseur, ton nom. Je vais voir. C'est les endroits là. Moi, je fais les endroits là. Regardez les doigts, regardez-vous les doigts. Parce que demain, quand ça va péter. Faut pas qu'on dise que plainte. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'on a vu, mof, dégage. Qui a raison. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'on a vu, mof, dégage. Quand ça va péter, tu pars avec, tu montres que voilà. Tu vas faire quoi? Qu'on a vu. C'est elle qui a commencé. J'espère. Quand tu as dit que mon beau-frère violait sa fille, mof, fiche la paix, idiote. C'est le nom de mon mec. C'est mon mec. Mof, dégage, c'est un violeur. Tu as dit que mon beau-frère violait. Tu as dit que mon beau-frère était violeur, pardon. Tu as dit que mon beau-frère violait sa fille. On t'a fait quoi? Idiote. Mouf. On prononce son nom pervers narcissique. C'est le gars de Tatiana. Parce tu es une voleuse de gars. Tu as été un passage. Il a fait 7 ans avec elle. Voleuse de gars. Voleuse de gars. Mon frère, tu es avec une femme tous les jours, tu sors le couteau. Et alors? C'est lui qui a la parole. Même sans couteau, il t'a blessé. C'est lui qui décide. Il parle à nous, c'est lui qui décide qu'aujourd'hui. On mange ça, demain, on part là-bas, on ne part pas, on fait comme ça. Si tu as parlé de ça avec une femme, que c'est la femme qui est en train de sortir. Toi, alors qu'il a décidé, il t'a pas tapé, on a vu, tu as pleuré en direct. Qu'on va te poignarder dans ton sommeil. Toi, alors que c'est lui qui décide, il t'a tapé, il t'a déshumanisé. Il t'a déshumanisé, tu étais en petite tenue devant son ami, il est en train de te gronder. Toi qui fais tout ce qu'il veut, tu étais en petite tenue devant son ami, il était en train de te chosifier. Toi qui acceptes tout, tu es la bonne femme, ça n'a pas empêché que le pervers narcissique te mette en petite tenue devant son ami, devant sa femme, en train de te chosifier. Pembèche. C'est Michel Simba que vous voulez. Moi, on fait quoi avec elle? Je vous fais cadeau. Moi, les garçons, on fait quoi avec elle? Elle est avec Anne au Célé. Nous, on ne veut pas. Elle avait Anne au Célé. Passez avec.
Tu vas die de douleur. Pas elle avait Anne au scellé. Et on parle de Thierry comme on veut. Vous m'avez toujours envié. On t'envie quoi? Regardez les doigts de quelqu'un. On va t'envoyer quoi? Non, mais tu es sérieuse ou quoi? Tu es malade? Unique. Maman Pépé est unique. Tout le monde est unique. Coucou la tigresse. Même tous ceux qui commandent là sont uniques. Tout le monde sur cette terre est unique. Il n'y a pas de copie. Vous faites vos vidéos. Soit disant, vous venez me choquer. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Chacun prend et décrypte à sa manière. C'est maintenant que c'est Maléba qui a envoyé. Qu'on part t'insulter tel. Quand vous avez filmé mon gars pour mettre sur les réseaux, c'était toujours pour qu'on vienne débattre, non? N'est-ce pas, tout le monde a débattu. J'ai pleuré. J'ai pris du recul. Et j'ai pris du recul. Là, tu fais pitié. Tata a vraiment pitié de toi. Moi, Tata, je vais fermer ce que tu appelles bouche là avec une main comme Lorraine. Ah oui, moi-même. Hein. Thierry ne bunda pas Gringa avec tout son sang là. Sa bouche sera toujours. Vous connaissez le genre de fille ici. Avec le genre de fille là, c'est la brutalité. Elle dose, tu doses, elle dose, tu doses. Elle se fatigue. Elle envoie la bombe, tu envoies la bombe. Ça explose, ça explose. Quand celui qu'on va sauver, on souffre. C'est pour ça qu'il faut traiter le genre de fille ici. Elle lance le B-52, tu lances ta part. Elle lance la grenade, tu lances la part. Quand l'ambulance va venir, celui qu'on va sauver, on sauve. C'est pour ça qu'il faut traiter ce genre de fille ici. Elle n'a pas la compréhension. Elle sait pas ce qu'il faut, qu'on appelle la calmie. Elle sait pas ce qu'on appelle la conciliation. C'est une idiote. Alors elle, c'est terre à terre. C'est du sale. Elle ne connaît que ça. On vous dit qu'elle a commencé à 9 ans, Nyamchaka, vous ne comprenez pas. Vous allez parler de quoi avec cette fille? Vous allez l'amener à la raison comment? Avec elle, c'est la grenade. Elle lance grenade, tu lances pour toi. Elle lance, tu lances. Celui que ça prend, ça prend. On arrive chez le médecin, celui qui dit go, go. Avec elle, c'est comme ça. Avec elle, ce n'est pas les histoires que tu vas parler posément, compresseur. Tu vas l'appeler à la raison. Elle ne connaît pas la raison. Elle ne connaît pas la raison. Sans faire d'histoire. Une fille qui se met en direct, elle dit que mon beau-frère a violé sa petite, ma nièce. Elle se met en direct. J'ai la vidéo. De toute façon, je n'ai pas envie de vous faire écouter ça. C'est un peu dur. Elle dit en direct que mon beau-frère a volé la nièce, ma nièce. L'idiote que vous voyez ici. La fille avait les mains pliées. L'idiote, si. Elle a dit ça en direct. Vous avez fait les anniversaires maintenant. Vous venez poster, soi-disant, vous voulez choquer. L'idiote, si, que vous voyez. D'écouter même mes supports. L'idiote que vous voyez ici, elle a dit en plein direct que mon beau-frère a violé ma nièce. Un enfant qui ne connaît pas l'homme. Un enfant qui n'a que 13 ans. Elle a mangé le gâteau dans sa vie. Vous venez choquer Maléba, ça se retrouve sur les réseaux. Regardez-moi une idiote. Et vous croyez qu'on veut, avec celle-ci, il faut appeler au bon sens. Regardez-moi une idiote. Avec celle-ci, il faut appeler au bon sens. Elle aime qu'on la brutalise. Elle a été brutalisée depuis Mokolo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on brutalise Maléba. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Avec elle, c'est du sale. Elle t'insulte, tu l'insultes. Tu descends au-dessus de la culotte, tu descends au-dessus de la culotte et c'est terminé. Avec elle, ce n'est pas la caresse. Avec elle, on ne caresse pas. Voilà maintenant mon frère qui est en train de tirer, mon grand frère qui est en train de tirer à balle réelle sur Michel. Michel allait où avec la fille là? Elle allait où? C'est chaud. Ah, je dors moi, pardon. Michel allait où avec cette fille? Voilà mon grand frère qui est en train de tirer à balle réelle. Hein? Tu allais où avec elle? Tu sais, nous dit que prenez Michel. Michel a choisi Anne Ocelé. Nous on a fait quoi avec Michel? On t'avait Michel avant. Tu voulais mes restes. Tu n'as pas pris les restes de Tatiana. Pourquoi Kanaé a quitté la maison? Ce n'est pas à cause de ce Thierry. Alors que pas Achille aime Kanaé comme sa fille. Vraiment. Claire Bitoi. Je te dis. Pardon. Vous vous rendez compte que la fille lâche. Elle crache. C'est ce que Michel lui a donné. Quand je vous parle souvent de gratitude. Maintenant, tu veux insulter Anne Ocelé. Ma voisine. Vous dites que cette fille est ingrate. Il y a des gens avec qui tu as des problèmes, mais mieux tu ne te prononces même pas. Mieux tu ne permets même pas qu'on l'insulte. Dès que tu entends qu'on l'insulte dans un direct, tu en as direct, tu dis qu'arrête ça vite. Mais on a vu cette asticot, cette pimbèche insulter Anne Ocelé. Tu n'as rien dit. Tu n'es pas insurgée. Anne Ocelé qui t'a accueilli, madame.
Elle t'a tenu la main à Rouen. Elle t'a fait montrer les secteurs de Rouen. Elle t'a ouvert sa porte. Mais tu es une malade mentale. Tu es une idiote. C'est pas âme au scellé que tu vas mettre la vindicte populaire comme ça. Gosse illettré. Hein? C'est pas âme au scellé que tu vas mettre la vindicte populaire. Une autre personne, pas elle. C'est pas elle. Elle t'a ouvert sa porte. Elle t'a accueilli à Rouen. Elle t'est comme ta famille. Tu parlais bien d'elle. Maintenant, tu fais les coups bas. Tu dis que quand j'avais de parler, je parle. Mais c'est toi qui envoies les asticots là lui parler. Parce que le direct de cet asticot, peut-être que c'est Anne Ocelé. Et tu as voulu faire ça avec moi. Tu as voulu envoyer cet asticot me clasher. Mais je ne clashe pas la basse cour. Ce n'est pas mon niveau. Je ne pourrai jamais prononcer le nom de cette idiote. À grand jamais. Il y a des gens que je clash. Soit je te parle parce que tu as commencé les directs depuis longtemps. On te connaît sur Facebook. Et quand même, je t'ai vu chez ma soeur une fois. Mais cette idiote, tu ne pourrais jamais la prononcer. Ce n'est pas mon niveau. Tu tentes d'insister à nos scellés. Moi, ça soit derrière elle. On la soutient. On lui donne le courage, la force. C'est pas les histoires que tu me donnes, le bruit au centre de Rouen, que si vous tentez, je vais lancer le direct sur toi. C'est mort. Le temps l'est révolu. Je vais écrire à papa Antoine. Mais leur problème, là, ça ne me regarde pas trop. Hein. Claire. Ça ne me regarde pas trop. Elle dit qu'elle ne voulait que si elle veut parler à nos scellés. Elle a venu parler directement. C'est toi qui as envoyé l'asticot là, à nos scellés. Parce que tu avais peur qu'on dise que c'est toi qui as commencé. Tu ne voulais pas qu'on dise que c'est toi qui as commencé. C'est pour ça que tu as envoyé cet asticot venu parler à nos scellés. À nos scellés qui t'a tout donné. L'amour, la fraternité, les conseils. Elle t'a créé à Rouen. Elle nous a même insulté, mais ça ne fait rien. Nous, on est des femmes, on a de l'amour à donner. Elle nous a insulté parce qu'elle était avec toi, pas parce qu'elle nous détestait au fond, parce qu'elle voulait te faire plaisir. Je considère ça comme ça. Et nous, on va la soutenir. J'ai envoyé un message à Anne aussi. Madame, n'aie pas peur de cette idiote. Si vous voyez l'appeler idiote, c'est vraiment une idiote. Cette tante, elle m'avait les coups de poing finissant avec elle. C'est tante, même avec les coups de poing. Parce que ce genre de personne ne comprend pas le dialogue. Elles comprennent que la brutalité. Les gens comme elle ne comprennent que le langage de la brutalité. Les gens comme cette femme ne comprennent pas le langage de la compréhension, la paix, la conciliation. Elles ne comprennent pas ce langage. Elles ne connaissent pas ce qu'on appelle la conciliation, faire la part des choses. Ce qu'elles comprennent, c'est la brutalité. Et je lui ai envoyé un message. Qu'un gossa, même en face de toi, en face de moi, tu ne peux pas. Sauf si tu ne viens pas l'acheter. Si tu ne viens pas l'acheter, même à Rouen, je te calcule pas l'acheter. Moi, je ne laisse pas passer. Je suis rancunier, je suis cancer. Mon signe astrologie, c'est cancer. Quand tu me prends par lâcheté, je ne peux pas dormir. Ce qui est sûr que tant que je ne t'ai pas remis, mon sommeil sera perturbé. Elle n'a pas de loyauté, je vous l'ai dit depuis. Depuis l'affaire de compresseur, je vous ai dit que cette fille n'a pas de loyauté. Cette fille est une... Depuis l'affaire de Nadège, je vous ai dit que cette fille est une ingrate. J'ai soutenu Nadège sans la connaître. Parce que j'ai le bon sens. Ne soyons pas bêtes. Même avec ma soeur, même père, même mère, on est souvent en désaccord sur certains points de vue. Parce que moi, on ne me guide pas. J'ai mon sens, j'ai ma tête, j'ai ma jugeote. J'ai ma petite intelligence, j'ai ma sagesse du village. Je n'accepte pas tout. Nadège, dans le problème de cette fille, n'avait pas tort. Nadège n'avait pas tort. Nadège a tout fait pour arrêter ce problème. Et pour Anocelé, on savait que ça va arriver. Parce qu'elle a saboté Anocelé chez Coco Kouetou. Coco n'a pas voulu dire certaines choses parce qu'elle disait toujours que Anocelé a sa famille, elle a sa petite... Je crois qu'elle a une nièce qui est blogueuse.
C'est ce que Coco me disait, qu'elle n'a pas envie de faire certaines choses. C'est souillant. Pour ça, Coco n'a pas tout dit. Mais elle sabotait déjà Anne Ocelé chez Coco. Elle sabotait déjà Michel et Soma chez Coco pour les cartes PS, pour les oranges. Elle n'a pas de loyauté. Ces gens qui s'approchent d'elle, c'est parce qu'ils veulent la visibilité. Mettez un produit sur Facebook pour vous vendre. On verra si vous êtes les vraies femmes. On voit si on achète. En passant, vendez les gélules. Mettez un produit sur Facebook pour vous vendre. On verra si vous êtes des vraies femmes. Si vraiment vous avez une visibilité qui porte. Parce que des personnes affectées. Ça vous saliche même. C'est pour ça que je ne clash pas n'importe qui. Tu es ma cible sur Facebook. Gossa, bonbon illettré. Mais tu as parlé de ma nièce à maintes reprises. Tu as parlé de mon beau-frère à maintes reprises. Tu as parlé de moi à maintes reprises. Tu es ma cible. Le reste, là, sincèrement, je ne les tiens pas trop rigueur. Mais toi, j'ai ton mal. Comme tu as mon mal, c'est ça que moi, j'ai ton mal. Je te le dis. Le reste qui m'insulte à gauche, à droite, rêve une biaille. Moi, sincèrement, je pense pas mal Dieu. Je m'en fous. Mais toi, quand il faut te répondre, je suis prête. Oui. Tu es une ingrate. C'est toi qui as créé tout ce désordre sur Facebook. C'est toi. Tu es la plus méchante des blogueuses. Et tu es la dernière des blogueuses. Tu es la dernière des blogueuses. Voilà. Tu ne peux pas envoyer les asticots et jeter Anne Ocelé. Non. Bombo illettré, tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu ne peux pas envoyer les asticots et jeter Anne Ocelé. C'est pas possible. Moi, ça me choque. Ça me choque. Tu viens verser ces dames sur Internet qui étaient dans son coin calmement. On la connaît, je ne la connaissais pas. Hein. J'avais jamais entendu parler d'elle. Mais il a fallu qu'elle rencontre le chemin de l'idiote. La voilà sur Facebook. La voilà sur Facebook. Sachez choisir vos amis. Même vos simples. Même vos. Comment on dit ça? À part amis à quoi? Même vos connaissances. Sachez choisir vous. Sachez à qui ouvrir vos portes. Je vous dis toujours ça. N'ouvrez pas vos portes à n'importe qui les filles. Je vous le dis toujours. J'ai vécu à Douala. Il n'y a que 3 amis qui étaient entrés chez moi. Les autres entraient quand je recevais la réunion. Terminé. Je dis en plein Douala. Il n'y a que 3 amis qui étaient entrés chez moi. Regardez-moi une idiote qui a fait 25 ans même. Elle est le premier contrat de bail dernièrement à Rouen. Elle n'a jamais eu un contrat de bail. Vous venez parler de qui? De compresseur sur Facebook? Non, mais entre nous. Vous êtes sérieuse là? Elle n'a jamais eu de contrat de bail. Je te montre mon premier contrat de bail. Faisons le challenge. 3 ans. Non, combien? 2 ans pour mon arrivée en Allemagne. J'avais un contrat de bail. À mon nom. À mon nom. Regardez-moi une idiote. On fait challenge, je suis prête à tout. Bulletin de paie, contrat de bail, tout, on met, je suis prête. Regardez une idiote qui m'a dit parler aux gens. Une dernière des blogueuses. Même les asticots blogueuses, elles te dépassent. Tu es la dernière des blogueuses. Même les asticots, elles te dépassent. C'est-à-dire que tu ouvres la crèche, je ne sais pas lire. Anne Ocelé peut même t'aider. Maintenant, comme tu as déménagé, tu as eu un autre appartement, mais il faut salir Anne Ocelé. J'appelle à toutes ces femmes de Rouen, faites attention à cette rapace, à ce virus. Faites attention. Ne venez pas pleurnicher après. Parce qu'on nous aura du mal à vous soutenir. On aura du mal. Parce que quand on parle, vous écoutez nous direct. Ça entre dans vos oreilles. Faites attention à cette idiote. Faites attention. Son gars, son mec, comme elle a dit, veut l'éloigner de tout le monde. Laissez-la avec son mec. Parce que lui ne va l'amener nulle part. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est une cougar. Et les gars aiment les cougars qui ont quelque chose à la tête.
ils aiment les cougars qui ont quelque chose dans la poche. Elle n'a rien, elle n'a que le poisson brisé à lui offrir et le porc qui pique. Elle n'a rien. Donc, mes chers soeurs, je vous dis encore, écoutez mes conseils. Faites attention aux gens qui entrent chez vous avec le sourire. Celui qui te tue ne vient pas avec le visage froissé. Celui qui te tue vient avec un grand sourire. Quand Judas a failli trahir le prince, il dit oh maître, il veut l'embrasser. Il y a tout dans la Bible. Le secret du mariage est dans la Bible. Le secret de l'amitié est dans la Bible. Le secret de la santé est dans la Bible. Le secret de la prospérité est dans la Bible. Il faut juste la comprendre. C'est pour ça que je suis les hommes de Dieu. Avant de dormir, je vais mettre mon homme de Dieu. Il va faire l'étude biblique. Je vais l'écouter. Je vais m'endormir dans la paix du Christ. Celui qui veut te tuer ne vient pas le visage froissé. Oh maître, il a embrassé Jésus. C'était le signe pour dire que c'est lui. Même l'homme avec qui tu partages ta vie peut finir avec toi. C'est pour ça que tu dois être constamment en prière. Que Seigneur, pose les épées autour de mon lit. Pose tes épées autour de moi. Celui qui tente, tu coupes son cou. Même celui qui est à côté de moi, si tente, coupe son cou. Seigneur, pose tes épées autour de moi, comme je m'endors là. Celui qui tente, n'aie pas pitié de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton compagnon est entré quelque part, et qu'on a dit que donne ta femme, dès qu'il va tenter, l'épée de Dieu va couper son cou. Quand tu pries, prie d'abord pour toi. Après, tu pries maintenant pour vous. Oh Jésus, bénis mon mari. Que sa journée se passe bien, que sa grâce, que ta grâce l'accompagne. Avant de bénir mon mari, me bénis d'abord. Je me bénis d'abord avant de le bénir. Quand tu pries, Seigneur, protège notre maison. Oui, c'est vrai. Mais dans ton cœur, Seigneur, protège-moi. Comme je m'endors là, que tes épées, Seigneur, me couvrent. Que quel que soit l'ennemi, quel que soit l'ennemi qui voudra ma peau, que cette épée coupe sa tête. Au nom de Jésus. Ça coupe ma tête de ton gars. Tu te réveilles le matin, sa tête est coupée. Les gens pleurent. Tu ne regardes pas trop. Tu as compris ta prière et agi. Toi seul, tu es en communication avec ton Dieu. Il y a un moment, tu pries. Tu entends que, boum, telle personne a fait l'accident. Ferme ta bouche. Ta prière agit. On ne parle pas trop. On parle pas trop. Quand vous avez les filles comme compresseurs dans votre entourage, priez beaucoup. Ce sont les filles qui ont marché partout. Niam Chakal, elles ont marché ici à gauche, elles ont marché à droite. Vous avez bien joué les parties, même à Lourdes, ou bien elles ont fait le camion. Vous imaginez le nombre de clients qu'elles peuvent ramasser par jour. Vous imaginez, oh là 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 là, il faut se purifier. Pardonne-nous, Seigneur. Moi-même, pardonne-moi. C'est fort. Une idiote. C'est fort. Elle n'est pas reconnaissante. Elle n'est reconnaissante avec personne. Même ma pauvre grande sœur qu'on dit là, elle lui a envoyé l'argent au Cameroun. Elle est venue crier sur Facebook pour elle. Reconnaissance, t'es gay. Nadine va pas donner tout. Reconnaissance, t'es gay. Même au moment là, commencé à m'insulter. Celui qui fait souvent les montants des vidéos là. Un moment, elle était ingrate avec lui, hein, n'oubliez pas. T'es gay. Elle arrive à Rouen. Anne Océle l'accueille, reconnaissant t'es gay. Tatiana lave son sang, reconnaissant t'es gay. Ne lavez pas le sang de n'importe qui. On ne touche pas le sang de n'importe qui. Le sang est très puissant. Tu peux pas venir chez quelqu'un. Tu la trouves en sang, tu commences à laver. Tu peux verser, ça coule, mais tu ne touches pas avec tes mains. Non! Même à l'hôpital, est-ce qu'on vous permet de toucher le sang des gens avec les mains? On ne vous permet pas ça. Voilà que tu viens la trouver en sang, Tatiana. Tu as nettoyé, elle a pris ton gars.
Parce que son gars, quand tu l'appelles, tu dis que ouais, ma pépé, il s'est fâché. Il s'est fâché pourquoi non? Parce que ce qu'il n'aime pas, il n'aime pas quand il fait comme ça, quand je fais comme ça, et tout, un autre. Il n'aime pas telle chose. Quand le gars avait elle, elle fait le contraire de ce que tu lui avais dit. T'as dit qu'à partir de toi, elle a connu ce que son gars n'aime pas. Elle prenait les infos sur toi, elle profitait de ta faiblesse pour faire son niche. Elle prenait tes plumes, elle prenait tes pailles pour faire son niche. Elle a conçu ses pailles, son nid, grâce à tes pailles. Mais tu t'es pas rendu compte. Vous savez, quand ton gars t'énerve, ne raconte pas n'importe qui. Si tu vas à Yaoundé, dis à ta copine qu'elle m'en va à Douala. Si tu es assise là-bas à Dedo, ce qu'on appelle ça la rue de la joie, elle t'appelle que je suis assise à Bonapriso. Il faut jongler les gens. Ne soyez pas trop juridique. Jongler. Ne dites pas tout la même chose. Jongler les gens. On ne souffre pas comme ça. Tu peux avoir une copine et te dire qu'elle te raconte le A1 des rêves. C'est qu'elle veut l'app jusqu'à. Je suis menteuse internationale. Je suis menteuse internationale. Si une copine t'appelle que j'ai le A1 des rêves, je vais l'app jusqu'à. Je suis dangereux, vous pouvez imaginer. Je n'ai que quelques copines. Et mes quelques copines, elles n'ont même pas le temps de m'appeler qu'on fasse au Congo ça des hommes. Elles n'ont pas le temps là. Elles sont deux. Elles n'ont même pas le temps. Quand on s'appelle, elles sont tellement occupées que. Je suis une dangereuse. Quand elle te dit A, sache que c'est B. Oui. Wesh. Quoi? Je suis maligne, c'est même plus bon. Soyez maligne avec les gens. Soyez maligne. Le monde est devenu dangereux. Et tu m'as dit que tu vas passer par où en rentrant? Pas la poste centrale. Je suis à la poste centrale. Pourtant, tu es loin en van. Comment? Je suis à la poste. Je suis à la poste. Pourtant, tu es en van. On dit que tu es menteuse. Accepte. Faut mentir. Pour préserver votre vie, il faut mentir. Je vous mens pas, il faut mentir. Mais le Seigneur comprendra que c'est pour préserver ta vie. Il faut mentir. Ton carreau le sort, tu ne dis pas. Tu supprimes seulement les gens. Tu ne parles pas trop, tu sais à quelques personnes, tu dis. Hein? Il faut faire attention aux filles comme les filles comme Maléba. Est-ce qu'elle ne parle nulle part? Tout ce qu'elle peut faire, c'est faire un poisson brisé à l'homme, la nourriture, dormir. Tu vas lui montrer, tu as fait 20 ans de camion, tu vas lui montrer que ton corps même est en train de lâcher. Il y a les taches, la peau lâche, les doigts sont plissés. Qu'est-ce que tu peux bien? Non, entre nous, tu as droit, je comprends pourquoi tu pleures le gars là. Tu dis que c'est mon chef, c'est mon roi, c'est mon tout pour moi. Je te comprends, hein. Moi, je te comprends. Tu insultes Anne Ossili. Tu insultes Michel Essomba. Tu envoies les asticots. Insulter Anne Ossili, Michel Essomba. Franchement. Ouf. Non. C'est terrible. Hein? Anne Ossili. Une voisine. Les gens faisaient le sport ensemble. C'est dangereux quand il voit les gens autour de toi. Il dit que heureusement que les bamilikés sont sages. Heureusement quand ils vous voient faire là, j'ai la parce que monsieur Bami là, hypocrite, il n'y a pas moyen. Il y a confiance. Alors là, je parle comme une vraie Bams. Monsieur Bami là, mof, hypocrite, il n'y a pas moyen. J'ai confiance sur le côté là. Hypocrisie nous appelle tonton. Tu parles de quoi? J'ai confiance. Non, c'est honteux. Hein. Anne Ossili. N'aie pas peur d'elle. Je vais conclure mon direct en te disant que ça ne me surprend pas. Ça ne surprend personne. L'ingratitude de cette idiote. Mais n'aie pas peur d'elle. Si elle veut parler tout, parle aussi pour elle. S'il y a moyen d'ajouter, tu ajoutes ta page sur ça, on quitte. Comme Madame Fournier a dit que, ajoute ta part sur ça. Dis-nous pour moi, on va seulement accepter. Que ça soit faux, vrai. Nous, on va seulement dire que, oh, on va te soulever. Dis tout. N'aie pas peur d'elle. Voilà. C'est la conclusion de mes directs. Mon direct. Les filles, soyez très sages. Voilà notre frère qui est mort. Mais nous tous, on a compris que, il n'a pas été très, très. Bref, on ne parle pas de mort. Soyez sages. Avec vos amis. L'ennemi ne vient jamais de loin.
Il est là à côté. N'admirez pas les gens. Je vous ai dit qu'on va parler de la procession VIP. La procession de camion est tirée de valise. Et on va vous montrer la différence. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Les procès VIP et les prostituées majeures, c'est pas la même chose. Hein. Demain matin, l'ancien petit dirait sur ça. Quand il me réveille, vous allez voir la différence. Je suis à la frontière de l'Allemagne et du luxe. Je sais ce que c'est que le piment. C'est légalisé. On explique. Quand tu es curieuse, tu peux bien comprendre. Le piment de luxe et ça, c'est différent, hein? Il y a une grosse différence. Pour faire le piment de luxe, il faut prendre le cœur, le sentiment, là. Tu mets dans une boîte, tu fermes. Quand tu auras fini le piment de luxe, tu reprends, tu remets dans le cœur. Tu remets en place, pardon. Ce n'est pas facile. Croyez-moi. On va en parler. Bon. C'est la fin de mon direct. Je vais dormir. J'ai passé un très bon vendredi avec mes amis au restaurant. Maintenant, je n'en. Demain matin, je me mets en forme. Je bois mon café. Je fais mon ménage chez moi. Je mange. Je dors encore. Dimanche, je chante à la gloire de mon Dieu. Je dors lundi sur le boulot. C'est comme ça qu'on passe nos journées, Ngosa. Maléba. Anne Osele, beaucoup de courage. Parce que les filles vont se faire. C'est sur toi comme ça. Ce n'est que le début. Anne Osele, ce n'est que le début. Je te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Parce que cette idiote qu'on appelle Bombo illettré, elle n'a pas te loupé. Tu l'as dit à quel moment tu es de la Russie. Le mot que Michel a dit, le mot, la phrase, que tu es sa mère, sa tante, sa soeur, sa tout, ça a touché l'Angala. Et pour ça, elle ne va pas vous louper. Elle ne va pas vous louper. Mais nous, on va vous soutenir. On va vous soutenir. Voilà. Le monde ici, quand il voit les filles comme les bonbons électriques, j'ai peur du monde. J'ai peur des gens qui m'entourent. J'ai peur des gens qui m'entourent. C'est-à-dire que je n'aime même pas voir le... Quand je parle à une grande, je vois un noir qui me dit bonjour. Je dis bonjour, mais j'ai peur. Tu ne sais plus qui est qui. On doit être en constamment en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Et tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu seras en communion avec qui? Le monde est fini. Le monde est fini. Tchaï. Parce qu'elle dit que je vais parler. Ne portez pas plainte. Les vérités vont sortir. Vous vous confiez à qui comme ça? Hein? J'ai entendu une femme de Dieu l'autre jour dire que ne mourrez pas comme Saül. Le message m'a touchée. Elle s'appelle comment? Maman Seka. La femme du révérend Seka. Il ne faut pas mourir comme Saül. Elle a fait un message sur les aigris. J'ai pensé directement à un bonbon illettré. L'ingratitude. C'est une chose qui hérite le Seigneur. L'ingratitude. Il a horreur de ça. Parce que quand tu aides ton prochain, ça touche le Seigneur. Ça touche notre Dieu. Et quand on te récompense par l'ingratitude, il est brisé. Il a mal. Le Seigneur, la chose qui lui fait le plus chaud au cœur, c'est quand tu fais du bien à ton prochain. Quand tu fais du bien à ton semblable, ça fait chaud au cœur à notre Dieu. Quand on te rend l'ingratitude, il n'est pas bien. Il n'est pas content. Elle a parlé de l'ingratitude aujourd'hui. Je vais encore écouter deux ou trois vidéos édifiantes d'elle. Je vais m'endormir. Comment quand tu écoutes comme ça, quelqu'un te parle, comment toi-même tu vas être ingrate? Moi, je suis reconnaissant de tous ceux qui m'ont fait du bien. Même ceux qui ont fait sans achever, je suis reconnaissante. Je ne me mettrai jamais en spectacle avec des gens que j'ai considérés. Les gens m'ont vu, c'est avec notre grand, ma grande soeur d'Angleterre. Elle a dit tout, insulté, je suis assez tranquille. Et que je ne l'insulte pas. Parce qu'un jour, elle m'a aimé. Elle m'a fait un cadeau.
Elle m'a fait des cadeaux même. Elle m'a aimé. Elle a insulté, dénigré, tout dit. Je suis restée tranquille. C'est vrai que je suis. Même si tu me piétines, quand elle dit qu'elle ne te répond pas, tu perds ton temps. Même ma tante sait que je suis comme ça. Quand elle dit que toi là, ne pas te répondre, ne te dérange même pas, ne te souffle pas, je ne vais jamais te répondre. Pour le côté, elle est trop forte. Je connais me maîtriser. Je sais me maîtriser. Pour ce côté-là, je suis fort de la magie. Même quand tu partages ma vie, quand elle dit que toi, ne te parle pas pendant une semaine. Ce qui est sûr, c'est ça. On va faire une semaine. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Je m'arrête sur ma position. Je ne te parle pas une semaine. C'est comme ça que je suis. Et je dors en paix. Il n'y a rien qui va trouver mon sommeil. C'est pour le côté, je suis trop forte. Je ne me suis jamais mis en spectacle. Il y a des gens que j'ai dit que je ne mettrai jamais en spectacle avec eux. Et ça sera comme ça. Voilà. Soyez sages. Demain, on lance un direct le matin. Ça dépend comment on va vous réveiller. Tous ceux qui m'ont réveillé, m'ont regardé, vous allez vous réveiller demain en forme. On va se réveiller demain en forme. Dites à Anne aussi de ne pas avoir peur. Dites à Anne aussi de ne pas trembler. La Russie n'a même pas encore parlé. On n'a pas encore, on ne s'est pas encore concerté. Demain, on va se concerter. Et toi, qui allais dire à mon grand frère de Kribi que j'ai mal parlé de lui, que ta malédiction là, que tu veux verser sur moi là, qu'on m'insulte là, ben, il n'est pas peur de Jésus, mais c'est quand même mon grand frère. Ta malédiction, tu voulais que mon grand frère soit en colère contre moi, que ça retourne sur toi. Que quelqu'un te sabote, que quelqu'un porte une information fausse que tu n'as pas dit, il part te dire à quelqu'un qui te soit, qui t'est cher. Que ce que tu m'as fait à mon grand frère, qu'on te refasse au centuple. Toi qui es parti porter mon nom pour aller dire à mon grand frère que rêve en te dénigrer sur Facebook, qu'on te fasse ça au centuple au nom de Jésus. Parce que je ne l'ai pas dénigré. Qu'on te fasse au centuple. Et lui, il n'a pas contrôlé. Il a mis le poste que ma petite soeur chérie, arrête ça. Toi, le petit tribaliste, la petite tribaliste là, qui est parti dire à mon grand frère que je le dénigre déjà là, qu'on te fasse et que ça te fasse mal et que tu te souviennes de moi. Amen. Ciao. Bonne nuit à tous.